Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à cette Corse, je vais vous faire découvrir une voiture de rallye et une spéciale que j'ai trouvée sur la page Discord NEF Modding, une page Discord espagnole, où on trouve beaucoup de voitures, beaucoup de spéciales. Bon, il faut fouiller un peu parce que c'est pas dans l'ordre, hein, c'est pas classé. Comme beaucoup de pages Discord, il faut fouiller. Donc la voiture, c'est la voiture que vous voyez là. La Ford Fiesta WRC 2021, la dernière année, donc avant l'hybridation qui est intervenue en 2022, oui, c'est ça. Et la spéciale, c'est Solo Escort Nissales, une spéciale d'une dizaine de kilomètres qui est pas extraordinaire au niveau de la modélisation, mais dans le tracé, c'est intéressant. Bon, vous allez voir sur le replay, surtout, c'est un peu moyen, surtout les angles des virages, là, les virages, l'arrondi des virages qui est un peu anguleux. Sinon, le reste, ça va, et le tracé, surtout, j'ai bien aimé le tracé. Allez, on va aller dans le jeu, je vais vous montrer la voiture, et ensuite, je parcourrai ce spécial au volant donc de cette Ford Fiesta WRC 2021. La voilà donc cette Ford Fiesta WRC 2021, ça c'est le skin officiel de l'époque, hein. À l'époque la Pi était chez M-Sport, donc il y a un skin tout blanc, hein, et puis il y en a plein d'autres, hein. Ouais, il y a des skins Red Bull, j'ai vu aussi, je ne sais plus où ils sont, bon il y en a qui sont un peu hasardeux, oh le DMAC il est joli aussi, je l'avais pas vu, là voilà Red Bull, hein. Red Bull ou Red Bull? Red Bull, ça fait bizarre hein, en français. Red Bull. Donc non, moi je vais prendre celui-là. Il est où? Le skin officiel. Je ne le trouve plus, ça y est, ouais, c'est celui-là. Et donc je vais aller se faire ça sur la spéciale de Los Nissales. Je vais vous la montrer. Une spéciale située en Espagne. Hein. Et donc il y a deux versions, une version dans un sens et une version dans l'autre. Il y a une autre spéciale que j'ai trouvée dans la même rubrique sur le site NEF Modding, faite par le même modeur qui fait 14 km que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Bon, la modélisation est plutôt propre, hein. Ouais, c'est plutôt du beau travail. Bon, c'est pas tip-top, hein, mais c'est beau, c'est propre, ça va. Allez, on va se mettre dedans. Bon, dedans aussi, c'est pas trop moche, hein, ça va. Allez, on se rend sur la ligne de départ. Et on va y aller de suite. Allez, debout, réveille-toi, copilote. 10 secondes. 5. Dans droite 5, tango j'épingle. Dans droite
40, 60, gauche 5, dans droite 4, ouvre, pour gauche 4, ouvre, dans droite 5, extra long, ouvre et referme épingle, pour gauche 5, pour droite 5, pour gauche 6, très long, referme, allez, 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 200, droite 3, prêt, 50, droite 5, ouvre, dans gauche épingle plus, extra long, ouvre et ferme, prêt, 5, court. Et on attaque la descente. 40, droite 6, et gauche 5, dans droite 4 moins. Dans gauche 6, 40, gauche 3. Prêt, et droite 3, long. Aïe, 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 un peu large. 110. Droite 5, moins, très long, ouvre et ferme. Gauche 4, extra long, referme, épingle, prêt, dans droite 6, oh, elle a pas glissé, c'est pas grave, 150, droite 2, prêt, pour gauche 5, court, dans droite 5, long, referme, attention, dans gauche 4, long, referme, dans droite épingle, prêt, gauche 6, long, 70, gauche 6, allez, 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 200, gauche, non, gauche, non, hein, parce qu'il y a une chicane, carrément, 150, attention, gauche 5, 40, droite 2, très long, referme, gauche 4, allez, 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 300, attention, droite 5, pour gauche 2, prêt, 70, gauche épingle, serré, prêt, pour droite 2 plus, 110, gauche 4, 60, droite 2, dans gauche 4, court, dans droite 3, et gauche 5 moins, 40, gauche 4, 50, droite 5, long, ça referme 3, 40, gauche 4, long, prêt, 110, gauche 5, 150, droite épingle, long, referme. Ah, attention parce que ce grand noir là, et il est très glissant. Pour gauche 5, long, dans droite épingle. Prêt, 90, arrivé. Hop là, on peut juste l'arriver. Un peu juste l'arrivée. Bon. Ben c'est pas mal, hein. C'est une spéciale assez sympa, hein, je vous l'ai dit. Donc bon, c'est pas au niveau de la modélisation, c'est pas les virages dans les angles, au lieu qu'ils soient bien arrondis, il y a beaucoup d'angles et tout. Mais bon, à la vitesse où je les vois pas. Enfin, si je les vois. Mais sinon, ben c'est dans la moyenne, quoi. C'est ni... C'est ni du top niveau comme les spéciales du JCRR, qui reste pour moi une référence, hein, je vous le dis. Mais c'est entre les deux, on va dire, voilà, entre ce qui est vraiment moche et ce qui est vraiment top. Mais le tracé est très agréable et c'est sympa. La voiture aussi, hein, elle est difficile dans les épingles, hein, au frein à main. Elle n'est pas facile à faire tourner, la direction est un peu dure, mais c'est une bonne auto aussi. Je vous mets les liens dans la description. J'ai dû fouiller quand même, hein, sur le Discord... j'ai oublié le nom. Je vous l'ai dit au début de la vidéo et je l'ai oublié maintenant. Donc j'ai dû fouiller, hein, pour trouver ces voitures assez spéciales. Mais bon, c'est quand même du bon boulot et c'est quand même agréable à piloter. Et je vous laisse avec le replay comme d'habitude.
Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel Fanatec à commander, utilisez le lien dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao !